À mesure que les découvertes scientifiques se font, le cosmos ne cesse de nous émerveiller. Il y a encore de ça quelques siècles, nous pensions que la Terre était le centre de l'univers. Nous savons aujourd'hui qu'elle est la troisième planète du système solaire, qui en contient 8 au total. Ce système est lui-même situé dans l'un des bras de notre galaxie, la Voie lactée, qui compterait environ 230 milliards d'étoiles. Devant ces proportions incommensurables, nous ne pouvons que rester admiratifs face à l'immensité de l'univers. Quant à sa partie observable, elle contiendrait 2000 milliards de galaxies. Il est alors presque certain que des systèmes comparables aux nôtres soient répartis un peu partout dans la Voie lactée et même dans l'univers au sens large. Les étoiles, ces géantes boules de gaz incandescentes, sont si lumineuses qu'il est facile de les repérer. Mais pour ce qui est des planètes orbitant autour d'elles, la tâche est plus complexe. Si complexe qu'il aura fallu attendre le 6 octobre 1995 avant que les astronomes confirment la découverte d'une planète en dehors de notre système solaire. Ces lointaines cousines de notre Terre sont appelées exoplanètes. Depuis, des milliers d'entre elles ont été identifiées. Si l'homme s'évertue à dénicher ces nouveaux mondes, c'est parce qu'il pourrait nous en apprendre plus sur la formation de notre propre planète, sur les origines de la vie, et même servir d'abri à l'humanité dans un futur plus ou moins proche. Les exoplanètes sont presque invisibles et pourtant si nombreuses. Elles renferment des mystères qui intriguent la communauté scientifique et fascinent les amateurs d'astronomie. Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous partons pour un voyage de plusieurs milliers d'années-lumière à la découverte de ces autres mondes. Pensez, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner et à liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Merci à tous. Et bon visionnage. Le cosmos regorge d'objets spatiaux comme les sublimes comètes, les lumineuses étoiles, les astéroïdes destructeurs ou encore de trous noirs affamés. Parmi ces faunes sidérales se trouvent de nombreux êtres qui peuplent les galaxies sans que personne n'y prête réellement attention. Les exoplanètes. Cette appellation désigne toutes les planètes qui ne font pas partie de notre système solaire, mais qui orbitent autour d'une autre étoile. On parle également de planètes extrasolaires. Ces dernières font partie de leur propre système planétaire, parfois très différent du nôtre. Généralement, lorsqu'une exoplanète est découverte autour d'une étoile voisine, il n'est pas rare de trouver l'une de ses sœurs cachée juste derrière. En 2005, soit 10 ans après la découverte de la première exoplanète, les astronomes en avaient déjà identifié 155. Le 1er juillet 2021, ce nombre était passé à 4777 dans 3534 systèmes planétaires différents. On estime en outre que 5 à 20% d'entre elles sont similaires à la Terre. Quant aux autres, leurs formes sont aussi diverses que variées. Certaines sont de véritables géantes, encore plus grandes que Jupiter. D'autres sont divisées entre une partie calcinée, constamment face à l'étoile, et une partie glaciale, toujours dans l'obscurité. Les planètes extrasolaires peuvent être telluriques comme la Terre et avoir une atmosphère impénétrable comme Vénus. Au contraire, leur atmosphère peut avoir été balayée par un événement cataclysmique, comme sur Mars. Ces mondes extérieurs peuvent aussi nous apparaître sous la forme de géantes gazeuses. La température à la surface peut aussi bien être glaciale que brûlante, et les éléments rarissimes, comme le diamant ou l'or, peuvent composer en majorité ces planètes insolites. Pourtant, celles qui intéressent le plus les scientifiques restent les exoplanètes similaires à la nôtre. Malheureusement, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Mais pourquoi si peu de planètes peuvent potentiellement se substituer à notre monde? Pour la simple et belle raison que l'apparition de la vie sur Terre
relève presque du miracle. Elle fut possible car un grand nombre d'éléments furent réunis pour permettre son développement. S'il est possible et même probable que la vie puisse prendre d'autres formes, il ne reste pas moins vrai que seules les planètes similaires à la Terre peuvent accueillir l'espèce humaine. Ainsi, les chercheurs se concentrent principalement sur la découverte de planètes semblables à la nôtre. Pour cela, ils s'intéressent à ce que l'on appelle l'IST, pour indice de similarité avec la Terre. Cet indice mesure la ressemblance d'un objet céleste avec la Terre sur une échelle allant de 0 à 1. Plus la valeur se rapproche de 1, plus le corps considéré est semblable à la Terre. Pour le calculer, les scientifiques vérifient quatre paramètres que sont le rayon, la masse volumique, la température à la surface et la vitesse de libération. Ce dernier paramètre correspond à la vitesse minimum que doit avoir un objet pour quitter définitivement l'attraction d'un astre sans prendre en compte l'effet de son atmosphère. Il est ainsi directement lié à la force gravitationnelle de l'astre considéré et donc à sa densité. Cet indice est un bon indicateur. Toutefois, il est loin d'être suffisant pour déterminer si oui ou non, une exoplanète est une bonne candidate pour se substituer à la Terre. Prenons l'exemple de Mars. La planète rouge semble aujourd'hui être la plus propice au développement de la vie parmi toutes celles qui composent le système solaire. Son indice de similarité avec la Terre est de 0,815. C'est moins que celui de Vénus, dont l'indice est évalué à 0,979. Oui, Vénus ressemble davantage à la Terre que Mars selon cet outil. En revanche, son atmosphère épaisse est très riche en gaz à effet de serre. Ainsi, la température moyenne à la surface de l'étoile du Berger est de 462 degrés Celsius. Au regard de ces données, notre jumelle paraît bien plus hostile. Voilà pourquoi les chercheurs ne peuvent pas uniquement se baser sur l'IST pour sélectionner les planètes potentiellement habitables. Ils doivent notamment observer la distance de l'astre par rapport à son étoile. En fonction de sa taille et de son rayonnement, chaque étoile possède une zone habitable qui lui est propre. Le périmètre de cette zone prend la forme d'un anneau, et chaque planète contenue dans cet anneau bénéficie d'un ensoleillement idéal pour permettre le développement d'une vie similaire à celle que nous connaissons. De nombreux autres paramètres doivent être attentivement analysés, comme la présence d'une atmosphère. Celle-ci doit être suffisamment dense pour protéger la surface des vents solaires. Sa composition ne doit pas être trop riche en gaz à effet de serre, ni dense au point d'occulter la lumière. La présence d'eau liquide, l'activité volcanique de l'exoplanète, la présence d'une lune et tant d'autres paramètres interviennent dans l'équation. Si de nombreuses exoplanètes sont découvertes jour après jour, trouver celle qui pourra se substituer à la Terre est finalement loin d'être aussi simple qu'on pourrait le penser. Pour les scientifiques, cela revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. Sur les milliards d'exoplanètes qui parsèment le cosmos, viendra forcément le jour où une quasi identique à la Terre sera découverte. D'ailleurs, en dépit du nombre astronomique de planètes extrasolaires, ce n'est qu'en 1995 que la première fut officiellement détectée. Mais pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps avant de pouvoir observer ces astres? La réponse réside justement dans leur observation. En 1992, l'astronome polonais Aleksander Volskan étudiait un corps céleste bien singulier, le pulsar PSR 1257+12. Un pulsar est une étoile à neutrons tournant sur elle-même à une vitesse extrêmement élevée et produisant ainsi des pulsations périodiques. Or, l'étude de ce pulsar a mené l'astronome à des observations bien étranges. En effet, la période de pulsation de l'objet était irrégulière. Après avoir émis diverses hypothèses, il conclut que la présence de deux corps quatre fois plus massifs que la Terre était à l'origine de ce dérèglement.
C'était la première observation indirecte d'un système planétaire autre que notre système solaire. Mais la première observation directe d'une exoplanète est attribuée aux astronomes Michel Mayor et Didier Queloz en 1995. Située à une cinquantaine d'années-lumière, la nouvelle planète qu'ils découvrirent porte le nom de 51 Pegasi b. Tout comme la pénicilline, en son temps, la découverte de cette planète par les deux hommes fut le fruit d'un heureux hasard. Les deux astronomes étaient à la recherche d'étoiles similaires à notre Soleil. En orientant l'immense télescope de l'observatoire de Haute-Provence, ils découvrirent que la vitesse radiale de l'étoile était anormale. Après vérification et revérification, le doute n'était plus permis. Il y avait bel et bien un astre orbitant autour de l'étoile. En conformité avec la nomenclature des systèmes extrasolaires, cette nouvelle planète fut baptisée 51 Pegasi, comme le nom de l'étoile et B en rapport avec sa luminosité. La lettre A est réservée à l'astre le plus brillant du système, c'est-à-dire ici l'étoile. 51 Pegasi b est une planète gazeuse de grande envergure, comparable à Jupiter. Cependant, elle a la particularité de se situer extrêmement proche de son étoile, à 7,5 millions de kilomètres exactement. À titre de comparaison, Mercure se situe à 51 millions de kilomètres du Soleil. Cela fut une surprise pour les astronomes étant donné que dans notre système solaire, ce sont les planètes telluriques qui sont au plus proche de l'étoile. La période de révolution de cette géante gazeuse n'est que de 4 jours et à sa surface, il règne la température d'un millier de degrés Celsius. Cette découverte inespérée était pourtant peu probable. En effet, cela fait des décennies que l'homme scrute le ciel, mais la plupart des corps brillants que nous voyons scintiller la nuit ne sont généralement que des étoiles. Les autres étant les planètes de notre propre système solaire, telles que Vénus, l'étoile du berger. Depuis la Terre, les exoplanètes sont très difficiles à détecter. Mais alors pourquoi ? La raison est liée à l'atmosphère qui protège et entoure notre planète, mais aussi à la nature même des exoplanètes. Contrairement aux étoiles autour desquelles elles orbitent, ces lointaines planètes n'émettent pas de rayonnement très intense. Il n'est donc pas possible de les détecter ainsi, d'autant plus que la puissance du rayonnement émis par l'étoile éclipse totalement celle des planètes. Les scientifiques continuent cependant d'utiliser la même méthode que celle de Michel Mayor et Didier Queloz, à savoir observer les variations de vitesse radiale des étoiles pour détecter des planètes en dehors de notre système. Une variation significative de ce paramètre indique probablement qu'un corps massif est en orbite autour de l'étoile. Or, pour faire une telle observation, il faut que plusieurs conditions soient réunies. La planète doit être assez proche de l'étoile pour que la force gravitationnelle exercée soit significative. Aussi, il faut qu'elle soit suffisamment massive, proportionnellement à l'étoile, pour avoir un impact sur sa vitesse radiale. Cette méthode limite le champ des possibilités et nécessite également des télescopes très performants. Les astronomes se sont ainsi tournés vers une autre méthode, la méthode du transit. Elle consiste à détecter une baisse de luminosité lors du passage d'une planète devant son étoile. C'est avec cette méthode que le plus d'exoplanètes furent détectées. Plus la luminosité baisse au passage de la planète, plus celle-ci est massive. Tout comme la mesure de la vitesse radiale, la méthode du transit nous donne des indications sur l'envergure de l'astre détecté. Mais elle va au-delà, en nous renseignant également sur sa composition atmosphérique. En effet, lorsque les rayons de l'étoile passent à travers l'atmosphère de la planète, ils sont comme filtrés. En comparant les rayons bruts et ceux filtrés, les scientifiques sont en mesure d'établir le profil de la composition atmosphérique.
si elle est constituée d'éléments chimiques comme du méthane, du dioxygène, du dioxyde de carbone ou même de l'eau, cela augmente les chances que cette planète puisse abriter la vie. Bien que cette méthode soit assez fructueuse, elle présente tout de même quelques inconvénients. Pour qu'une planète puisse être détectée, son plan orbital doit être dans l'axe d'une autre. En outre, la méthode du transit ne peut être appliquée depuis la surface terrestre. Le passage d'une planète devant son étoile entraîne une baisse de luminosité vraiment minime. En raison de l'épaisse atmosphère qui entoure notre planète, nous sommes incapables de dire si la baisse de luminosité est bien la conséquence d'une planète en orbite. La détection par méthode de transit se fait donc à l'aide de satellites spécialement conçus pour scruter le cosmos, à la recherche de nouveaux mondes. Le premier d'entre eux fut le satellite Kepler, envoyé par la NASA en 2009. Sa mission était simple, recenser le maximum d'exoplanètes au sein de notre Voie lactée. Pour cela, le télescope avait été soigneusement équipé par les ingénieurs de l'Agence spatiale américaine. À son époque de lancement, il disposait du plus grand miroir de tous les télescopes en orbite autour de la Terre confondue. Son équipement comprenait également 42 capteurs CDD pour une résolution totale de 96 mégapixels. De quoi couvrir environ 25% de la surface du ciel. Pendant son activité, le télescope Kepler découvrit 2662 nouvelles planètes en utilisant la méthode du transit. Malheureusement, l'activité du télescope cessa en 2018 en raison de dysfonctionnements majeurs. Cependant, la mission Kepler permit de mettre en évidence certaines caractéristiques propres aux exoplanètes. Il semble que la plupart d'entre elles aient une taille comprise entre celle de notre Terre et celle de Neptune. On parle alors de super-Terre. Les observations de Kepler permirent également d'affirmer que la plupart des étoiles ont au moins une planète en orbite autour d'elles. La même année où ce télescope fut mis hors service, la NASA lança un nouvel engin dans l'espace, lui aussi dédié à la découverte des planètes extrasolaires. Son nom, le télescope spatial TESS, soit le satellite de détection des exoplanètes en transit. Les recherches de ce dernier étaient essentiellement basées sur la découverte de planètes présentant des similitudes avec la nôtre, à savoir des planètes telluriques de petite taille situées dans la zone habitable de leur étoile. Quant aux étoiles observées, TESS s'est concentré sur celles équivalentes en termes de taille et de brillance à notre Soleil, situées au plus proche de nous. Le but de la mission étant avant tout de découvrir les mondes potentiellement habitables et les plus facilement accessibles. Bien qu'à l'heure actuelle, rejoindre ces mondes paraisse utopique, il n'est pas impossible que les découvertes du télescope conduisent à des missions d'exploration spatiale, voire de colonisation, dans les siècles à venir. Le 23 mars 2021, la NASA annonçait que le télescope avait déjà découvert plus de 2200 exoplanètes en scrutant près de 70% de la sphère céleste. Plus récemment encore, le télescope spatial James Webb fut mis en orbite. Son lancement eut lieu le 25 décembre 2021. À l'heure actuelle, il est le plus grand et le plus coûteux de tous les télescopes mis en orbite. Contrairement à ses prédécesseurs, il n'est pas uniquement dédié à la recherche d'exoplanètes, mais a pour but de poursuivre les travaux du télescope spatial Hubble, c'est-à-dire l'observation de l'univers au sens large. Pour la NASA et les différentes agences spatiales du monde entier, ces missions d'observation sont cruciales pour la compréhension de notre univers. Les télescopes en orbite, toujours plus puissants, ne sont pas gênés par l'épaisse atmosphère de notre planète et peuvent donc effectuer des observations toujours plus fines. En son temps, Hubble a notamment permis de mettre en évidence l'existence des trous noirs supermassifs au centre des galaxies, mais aussi des mystérieuses matières noires et énergies noires. Peut-être que le télescope James Webb sera le premier à apporter la preuve que la vie s'est développée ailleurs que sur notre planète bleue. Pour le moment, rien ne peut permettre de valider cette hypothèse, aussi fascinante soit-elle.
En revanche, les différentes observations des télescopes ont mis en lumière des exoplanètes bien singulières et parfois prometteuses pour l'avenir du genre humain. Celle que nous allons découvrir en premier lieu se situe dans le système Kepler-90. Situé à une distance de plus de 2800 années-lumière, se trouve le système extrasolaire Kepler-90. Récemment, ce dernier a suscité l'intérêt des astronomes en raison de la découverte d'une nouvelle exoplanète, Kepler-90i. Avec celle-ci, Kepler-90 est officiellement le premier système planétaire autre que le nôtre à posséder 8 planètes gravitant autour d'une seule étoile. Le nom de ce système provient du télescope Kepler à l'origine de la découverte. Il fut le 90e objet stellaire à être découvert au cours de la mission. Les trois planètes les plus proches de l'étoile, Kepler-90b et I, sont des planètes telluriques de taille comparable à celle de la Terre. Les trois suivantes, Kepler-90d, E et F, sont des planètes gazeuses un peu plus petites que Neptune, et les deux dernières, Kepler-90g et H, sont des géantes gazeuses au même titre que Jupiter et Saturne. C'est une caractéristique étonnante, car dans notre système solaire, ce sont les plus grosses planètes gazeuses qui sont proches de l'étoile, ce qui contraste avec la répartition observée dans le système Kepler-90. Aussi, les planètes orbitant dans ce système sont beaucoup plus proches les unes des autres comparativement à celles de notre système solaire. Kepler-90h, qui est la plus éloignée du système, est à peu près aussi loin de son étoile que la Terre du Soleil. Cela a suscité un grand intérêt auprès de la communauté scientifique comment un système si complexe peut contenir des corps massifs à une distance si proche tout en restant stable. Si ce système extrasolaire est désigné sous le nom de Kepler-90, c'est aussi l'appellation de l'étoile située en son centre. Kepler-90 est une naine jaune dont la masse et le rayon sont respectivement de 1,2 fois ceux du Soleil. Sa température en surface est de 5800 degrés Celsius, soit environ 250 degrés Celsius de moins que la température qui règne à la surface de notre étoile. Bien qu'elle soit comparable au Soleil en termes de taille et de température, l'âge de Kepler-90 est estimé à 2 milliards d'années. Elle est donc deux fois plus jeune que notre Soleil. Par une nuit étoilée, on pourrait être tenté d'observer cette jeune étoile. Malheureusement, celle-ci est trop sombre pour pouvoir être vue à l'œil nu depuis la Terre. Pourtant, elle est 1,7 fois plus lumineuse que le Soleil. Cette chaleur et ce rayonnement rend les astres Kepler-90b et C, ceux situés au plus proche de l'étoile, bien trop chauds pour être habitables. Leur température est proche de celle de Mercure ou de Vénus. Kepler-90i, la dernière planète découverte dans ce système, est la troisième en termes de distance à l'étoile. Celle-ci fut découverte comme ses sœurs par la méthode du transit. Or, elle donna un peu plus de fil à retordre aux analystes. Une période d'observation plus longue et un traitement des données à base d'algorithmes complexes furent nécessaires à sa détection. Son existence fut officiellement prouvée en 2017, faisant du système Kepler-90 le seul autre système planétaire à 8 planètes hormis le système solaire. Cependant, il n'est pas impossible que d'autres planètes composent ce système, et les chercheurs gardent un œil braqué sur Kepler-90. Peut-être ne nous a-t-il pas encore livré tous ces mystères. Si vous vous demandez à quoi peut bien ressembler cette planète, imaginez-vous que la surface de la Terre soit à près de 500 degrés Celsius, et vous aurez une représentation plutôt fiable. En effet, cette planète est similaire à la Terre en termes de masse, de diamètre et de composition chimique. Seulement, sa proximité avec son étoile rend le développement de toute vie impossible. D'ailleurs,
aucune des planètes découvertes dans le système Kepler, à l'heure actuelle, ne semble pouvoir abriter la vie. Mais il existe un autre système, tout aussi intéressant que Kepler-90, qui semble plus prometteur sur ce point. Ce dernier, nommé TRAPPIST-1, posséderait au moins 3 planètes en orbite dans la zone habitable de l'étoile. À l'échelle du cosmos, le système planétaire TRAPPIST-1 est notre voisin. Ce dernier se situe à une distance de 39,5 années-lumière, soit près de 4 fois 10 puissance 14 km. Même si à l'heure actuelle, ce système paraît inatteignable, son orbite le fait lentement dériver vers nous. Qui sait, un jour peut-être, TRAPPIST-1 sera assez proche pour être exploré par l'homme. L'étoile TRAPPIST-1 est ce que l'on appelle une naine rouge. Ces étoiles sont les plus petites et les moins brillantes du cosmos. Elles brillent à environ 1% de l'intensité de notre Soleil. Elles sont donc invisibles à l'œil nu depuis la Terre. En revanche, ce sont elles qui peuplent les cieux en majorité et peuvent brûler pendant près de 10 milliards d'années. On estime que 80% des étoiles dans l'univers sont des naines rouges. Pour TRAPPIST-1, ce statut d'étoile naine n'est pas infondé parce que sa taille est similaire à celle de Jupiter. Bien qu'elle soit incomparablement plus petite que notre Soleil, TRAPPIST-1 reste tout de même son aîné d'environ 3 milliards d'années. Pour mieux comprendre la découverte de ce système, il faut revenir quelques temps en arrière et plus précisément en 2016. C'est à cette période que 3 exoplanètes orbitant autour de TRAPPIST-1 furent découvertes par la méthode du transit. Cette observation indirecte n'est pas l'œuvre d'un télescope spatial, mais bien d'un télescope terrien, et plus précisément celui de l'observatoire ESO, situé au Chili. À une hauteur de plus de 2600 mètres d'altitude, cet observatoire offre les conditions idéales pour l'observation spatiale. Ainsi furent respectivement découvertes les planètes TRAPPIST-1b, TRAPPIST-1c et TRAPPIST-1d. Mais en poussant les observations avec le télescope Spitzer, les scientifiques ont également pu détecter la présence de TRAPPIST-E, F, G et H, pour un total de 7 exoplanètes. C'est un nombre assez conséquent, mais cela n'égale pas le système Kepler-90. Cependant, les planètes du système TRAPPIST-1 possèdent une particularité que celles de Kepler-90 n'ont pas. Elles sont toutes identiques à la Terre en termes de dimensions. En effet, leur rayon varie entre 0,7 et 1,13 fois celui de notre planète. C'est en partie pour cette raison que TRAPPIST-1 est décrit comme l'un des systèmes les plus prometteurs dans la recherche du monde habitable. Après analyse de la densité de ces différentes planètes, il apparaît qu'elles doivent potentiellement contenir des quantités d'eau importantes et d'autres éléments volatiles. Cela est encore plus probable pour les planètes les plus éloignées, TRAPPIST-1e, F, G et H, qui pourraient être presque entièrement recouvertes d'eau. Ces planètes seraient aussi comparables à un océan géant, comme la planète Miller présentée dans le film Interstellar de Christopher Nolan. Si l'on regarde de plus près les planètes du système TRAPPIST-1, on constate que seules 3 d'entre elles se situent dans la zone habitable de leur étoile, respectivement TRAPPIST-1, D, E et F. TRAPPIST-1b et C étant trop proches de leur étoile, leurs températures sont trop élevées pour pouvoir contenir de l'eau sous forme liquide. Quant aux planètes G et H, elles sont tout simplement trop éloignées et ne reçoivent pas assez d'ensoleillement pour être habitables. Bien que certaines de ces planètes soient prometteuses en ce qui concerne leur masse, leur composition et leur température en surface, il faut également prendre en compte leur atmosphère. TRAPPIST-1 étant une naine rouge, elle ne diffuse pas autant d'énergie que notre Soleil. Pour bénéficier des mêmes conditions que notre Terre, les planètes doivent être plus proches. Or, cette proximité pourrait bien les rendre inhabitables. Les étoiles ont parfois des périodes de forte activité. Si cela survient, les vents solaires et les bombardements ultraviolets seraient si intenses
qu'ils pourraient tout simplement balayer l'atmosphère des planètes potentiellement habitables. Toutefois, certaines recherches semblent montrer que les planètes G et H pourraient avoir une atmosphère assez résistante pour supporter ces périodes de forte activité. Ces hypothèses sont toujours à débat et les scientifiques attendent de collecter plus de données, notamment avec l'aide du télescope James Webb, mais une chose est certaine, ils garderont un œil rivé sur ce système voisin dans notre Voie lactée. La recherche d'exoplanètes similaires à la Terre se heurte parfois à certains problèmes. Bien que les scientifiques aient pu identifier plus de 4000 d'entre elles, beaucoup de ces nouveaux mondes ne sont pas propices à la vie. Cela en raison de tous les facteurs précédemment énumérés, mais aussi à cause des méthodes de détection. En effet, la méthode du transit, bien qu'efficace, permet essentiellement de détecter des corps massifs allant de super-Terre au Jupiter chaud, car ces astres provoquent une baisse de luminosité conséquente lorsqu'ils passent devant leur étoile. Aussi, les planètes avec une période de révolution rapide sont plus facilement détectables, car le nombre de passages devant leur étoile permet d'obtenir une confirmation plus rapide de leur statut. Ce sont donc les planètes proches de l'astre brillant ou celles orbitant autour de l'étoile naine qui sont majoritairement détectées, comme pour le système TRAPPIST-1. Pourtant, parmi ces nombreux candidats éliminés d'office, une planète a retenu l'attention des scientifiques. À vrai dire, il s'agit d'un des mondes les plus susceptibles d'abriter une forme de vie jamais découverte à l'heure actuelle. Le nom de cette planète est Gliese 832c. Elle orbite autour de l'étoile du même nom, à savoir Gliese 832, qui ne se situe qu'à 16 années-lumière de la Terre et qui appartient à la constellation de la Grue. Malheureusement, cette constellation ne contient pas beaucoup d'étoiles visibles à l'œil nu. En levant les yeux au ciel, vous ne pourrez donc apercevoir Gliese 832 malgré sa proximité toute relative avec la Terre. À nouveau, cette étoile rentre dans la catégorie des naines rouges et sa luminosité est juste égale à 7 millième de fois celle du Soleil. Pourtant, l'étoile n'est que deux fois plus petite en taille. La zone habitable propre à celle-ci est donc très étroite. Les planètes orbitant autour de Gliese 832 subissent la force gravitationnelle de l'étoile, mais aussi de leur rotation propre, et lui présentent donc toujours la même face. C'est exactement le même phénomène qui se produit entre la Lune et la Terre, ou encore entre Mercure et le Soleil. Les exoplanètes de ce système sont au nombre de deux. Gliese 832c et Gliese 832b. Pour la recherche de mondes potentiellement habitables, Gliese 832c est la meilleure des deux candidates. Or, c'est Gliese 832b qui fut découverte en premier, en 2008 plus exactement. Du fait qu'il s'agit d'une planète entrant dans la catégorie des super-Jupiter, son observation était plus simple que celle de Gliese 832c. Il faudra attendre 2015 avant que cette dernière ne soit découverte. L'événement fut une surprise générale, aussi bien pour la presse que pour les astronomes, puisque les analyses ont révélé un indice de similarité exceptionnellement proche de celui de la Terre. 0,81 pour être plus précis. Dans un mouvement d'enthousiasme général, Gliese 832c commença à être surnommée la seconde Terre. Pour autant, la planète présente des différences notables avec notre monde. En effet, l'indice de similarité est calculé selon divers paramètres qui prennent un poids plus ou moins important dans l'équation. Ainsi, l'étude de Gliese 832c révéla que sa masse était 5,5 fois celle de la Terre et il faut à la planète 35 jours terrestres pour faire une révolution complète autour de son étoile.
Cette courte période de révolution est due au fait que Gliese 832C se trouve 6 fois plus proche de la naine rouge que nous le sommes du Soleil. Cela entraîne également une excentricité importante. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement ? En astronomie, il faut savoir que les orbites des planètes sont généralement elliptiques et non circulaires. Cela est dû à de nombreux facteurs comme la vitesse de rotation de la planète ou encore des chocs cosmiques avec des astéroïdes qui peuvent perturber sa trajectoire. Plus l'excentricité d'une planète est grande, plus cette forme d'ellipse est marquée. C'est le cas pour Gliese 832C. En raison de cela, elle sort régulièrement de la zone habitable pour y rentrer aussitôt. Cela doit aussi causer des montées et des chutes brutales de la température en surface. Hormis cela, la planète reçoit un ensoleillement de la part de son étoile proche de celui que reçoit la Terre. La température moyenne à la surface de Gliese 832C est estimée à moins 20 degrés Celsius, tandis que celle à la surface de notre Terre est plutôt de 15 degrés Celsius. La différence est notable, mais pas impropre au développement de la vie telle que nous la connaissons. Mais un paramètre rend ces affirmations incertaines. En raison de sa proximité avec son étoile mère, Gliese 832C pourrait bien exposer constamment la même face à celle-ci, et donc avoir une partie toujours ensoleillée et une autre beaucoup plus froide, toujours dans l'ombre. Cela pourrait alors causer d'importantes perturbations climatiques à sa surface comme de violents ouragans, d'autant plus que son atmosphère est potentiellement très dense. À présent, voyons à quoi pourrait bien ressembler la surface de cette planète en partant du principe qu'elle pourrait abriter la vie. Sachant que sa masse est potentiellement plus de 5 fois celle de la Terre, sa gravité serait donc drastiquement plus élevée, mais une incertitude plane autour de ces données. Si bien qu'il est impossible de savoir si la force gravitationnelle à la surface de Gliese 832C serait trop forte pour que nous puissions la supporter. Les scientifiques estiment tout de même que cette force pourrait bien être 200 à 400% celle de la Terre. Gliese 832C étant une planète tellurique, cela implique que ses reliefs ne seraient pas si importants du fait de la pesanteur écrasante. L'écorce de cette planète serait relativement plate avec des montagnes tassées et des océans peu profonds. Ainsi, cela favoriserait l'étendue des secteurs d'eau liquide, ce qui est un point crucial pour le développement de la vie, du moins telle que nous la connaissons. Compte tenu de la luminosité plutôt faible de son étoile et surtout de son atmosphère dense, le ciel sur Gliese 832C doit principalement avoir des allures de crépuscule. Celui-ci doit être d'une teinte plutôt rougeâtre et les journées assez sombres. Avec son orbite allongée et sa courte période de révolution, les saisons sur cette planète doivent être assez marquées et surtout changer de semaine en semaine. En tenant compte de cette alternance fréquente entre les températures glaciales et les jours de canicule, il est raisonnable de se dire que si Gliese 832C abrite la vie, les espèces qui peuplent cette planète doivent avoir des mécanismes de régulation thermique bien plus performants que les nôtres. On peut également penser qu'en fonction des périodes, ces organismes sont capables de migrer rapidement vers les zones plus froides ou plus chaudes de la planète. Compte tenu de la forte gravité qui règne à la surface de Gliese 832C, ses potentiels habitants pourraient bien avoir une silhouette petite et trapue avec une ossature épaisse et une musculature fortement développée. S'ils pouvaient migrer sur notre planète, ces êtres auraient alors la capacité de supporter des variations de température bien plus importantes. Sans doute n'auraient-ils pas besoin de consommer autant de ressources pour se chauffer que nous le faisons. Ainsi, leur force serait prodigieusement supérieure à la nôtre et ils seraient capables de porter des charges si lourdes sur leurs épaules qu'elles seraient écrasantes pour nous.
Quant aux plantes, elles seraient sans doute assez sombres, si ce n'est noires, afin d'attirer le maximum de lumière possible, mais aussi avoir des racines profondes et solides afin de résister aux vents violents qui font rage à la surface. Bien sûr, il ne s'agit là que de suppositions, à partir des données scientifiques dont nous disposons. Ces organismes pourraient tout aussi bien n'en être qu'au stade unicellulaire, voire ne pas être du tout. Aussi, il est logique de penser que si des êtres extraterrestres peuplent bel et bien cette planète, la zone la plus propice à leur développement devrait être la jonction entre la face éclairée et la face sombre de l'astre. À cet endroit, la température doit être assez idéale pour permettre le développement d'organismes similaires à ceux que l'on retrouve sur Terre. On peut également penser que les reliefs montagneux de l'astre peuvent servir de protection et d'abri contre les vents tumultueux qui sévissent au niveau de cette zone de séparation. Peut-être que des êtres troglodytes habitent les montagnes de Gliese 832C, profitant des temps calmes pour pêcher au niveau des océans qui recouvrent la surface comme le faisaient nos ancêtres au temps jadis. Car oui, s'il y a de l'eau liquide sur Gliese 832C, elle se situe probablement au niveau de la frontière entre la face exposée et la face cachée de la planète. Les nuages qui se forment au niveau de la zone chaude sont poussés par le vent jusqu'à la frontière, tombant ainsi sous forme de précipitations, tandis que la glace qui recouvre la partie froide de la planète fond progressivement pour alimenter les cours d'eau. Quant au changement très rapide des saisons, ce phénomène pourrait bien reproduire les effets de marée provoqués par la Lune sur notre planète. Tout cela conforte les scientifiques dans l'idée que Gliese 832C peut potentiellement abriter la vie. Malheureusement, à l'heure actuelle, il est impossible de le savoir. De manière assez réaliste, cette planète reste bien moins propice que la Terre pour le développement d'une forme de vie. Cependant, les découvertes faites sur notre propre planète nous prouvent que la vie est très adaptative et surtout bien plus diverse que l'on ne peut l'imaginer. Depuis les bactéries insensibles à toutes sortes de radiations aux créatures des abysses, résistant au froid, à la pression phénoménale et à l'absence de lumière, nous ne pouvons qu'espérer que notre univers soit aussi riche en diversité et que la Terre ne soit pas la seule planète à avoir vu naître la vie. Notre formidable voyage nous a transportés au fin fond du cosmos. Pour notre prochaine destination, nous allons nous rapprocher près de notre système solaire. En fait, nous allons observer l'exoplanète la plus proche de la Terre jamais découverte. Dans l'hémisphère sud, à gauche de la constellation de la Croix du Sud et un peu en dessous de la fameuse constellation du Centaure, se trouve la mystérieuse Proxima du Centaure B. Sa configuration est semblable à celle de Gliese 832C, ce qui signifie qu'elle orbite autour d'une naine rouge, Proxima du Centaure, en lui présentant toujours la même face. Ce qu'il y a d'intéressant avec Proxima du Centaure B, c'est que cette planète n'a pas été découverte par la traditionnelle méthode du transit, mais par celle de l'analyse de la vélocité radiale. En gravitant autour de son étoile, Proxima du Centaure B va provoquer une légère attraction de cette dernière, la faisant progressivement se rapprocher ou s'éloigner de notre point d'observation. Par effet Doppler, il est alors possible de constater des variations de longueur d'onde dans les radiations émises par Proxima du Centaure. Ces variations ont donc été la preuve indirecte qu'un corps massif devait orbiter autour de l'étoile. Ce corps, ce n'est autre que Proxima du Centaure B, un astre 1,27 fois plus lourd que la Terre. Sa période de révolution n'est que de 11 jours, mais ce qu'il y a de plus étonnant avec cette exoplanète, c'est sa proximité avec la nôtre. En effet, Proxima du Centaure B ne se situe qu'à 4,22 années-lumière de nous.
Dans la recherche de nouveaux mondes potentiellement vivables, Proxima B est particulièrement intéressante car elle se situe dans la zone habitable de son étoile. D'après les analyses de son atmosphère, il apparaît que Proxima B pourrait bien être une planète entièrement recouverte d'eau, sans même un continent où poser le pied. Cela lui donne un nouveau point commun avec les exoplanètes du système Gliese 832. Mais contrairement à Gliese 832c, la gravité sur Proxima B ne serait pas aussi importante. Cela signifie que les reliefs de cette planète seraient plus marqués, un peu comme sur Terre, avec potentiellement des océans de 200 km de profondeur. Rendez-vous compte, la fosse des Mariannes, qui est la plus profonde des fosses océaniques de notre planète, ne fait que 11 km de profondeur. Nous savons donc que Proxima B se situe dans la zone habitable de son étoile. Elle est potentiellement couverte d'eau liquide et recouverte d'une atmosphère. Aussi, du fait de sa rotation, le transfert de chaleur pourrait rendre la température viable sur toute la surface de la planète, y compris sa face cachée. En ajoutant à cela que son indice de similarité avec la Terre est de 0,87, la planète devient l'une des meilleures candidates pour la recherche d'un nouvel abri pour l'espèce humaine. Malheureusement, il y a certains éléments qui ne permettent pas d'affirmer cela avec autant de certitude. En 2017, les astronomes ont observé un événement cataclysmique survenu à proximité de la planète. Une gigantesque éruption solaire a été émise par Proxima du Centaure. Cette éruption était 10 fois plus lumineuse que la plus puissante des éruptions solaires jamais observées sur notre Soleil. Cette gigantesque explosion a multiplié par 1000 la brillance de Proxima du Centaure en à peine 10 secondes. Pendant cette éruption solaire, Proxima B a potentiellement reçu une dose de radiation si élevée que cela aurait pu anéantir toute éventuelle trace de vie. En tenant compte du fait que d'autres éruptions ont déjà été observées sur Proxima du Centaure, Proxima B pourrait bien n'être qu'une Terre calcinée et sans atmosphère. Un monde désertique et aride, comme notre jumelle, la planète rouge. Parmi les nombreux mondes découverts par les astronomes, certains pourraient bel et bien abriter la vie. C'est le cas de Gliese 832c, de Proxima B ou encore de TRAPPIST 1d. Mais au cours de leurs recherches, les scientifiques ont également fait la découverte de planètes et de systèmes aussi étranges que fascinants. Le premier que nous allons observer se situe dans la constellation du Gémeaux. Au sein de notre système solaire, seul le Soleil trône et rayonne fièrement en nous diffusant sa lumière et sa chaleur. Mais dans un système solaire multiple, plusieurs étoiles se partagent les vedettes. Ces systèmes sont assez rares et consistent en 2 ou 3 étoiles prisonnières les unes des autres sous l'effet de leur force de gravité. Mais si vous regardez du côté du système Castor, ce que vous allez y découvrir est plus que surprenant. Dans ce système multiple, chacune des 3 étoiles centrales est en fait une étoile binaire. Ce système contient donc 6 étoiles. Comparativement à cela, la planète Tatooine, aux 2 soleils que nous présente le film Star Wars, n'a rien d'extraordinaire. Castor est le second objet le plus lumineux de la constellation des Gémeaux. Bien que le système soit plutôt éloigné, puisqu'il se situe à une distance de près de 51 années-lumière, il s'agit d'un nouveau-né dans l'histoire de l'univers. Son âge est estimé à environ 200 millions d'années. Dans ce système si particulier, l'étoile centrale n'est autre que Castor AA. Cette étoile peut aisément être qualifiée de géante puisqu'elle est 2 fois plus lourde, mais également 2 fois plus grande que notre Soleil. Bien qu'il existe des étoiles incroyablement plus grandes dans notre univers, comme Antares ou Betelgeuse, il faut garder à l'esprit que 85% des étoiles du cosmos sont plus petites que notre Soleil.
Les 6 étoiles sœurs du système Castor orbitent autour d'un même centre de gravité appelé barycentre. Ensemble, elles sont 52,4 fois plus brillantes que le Soleil. Encore aujourd'hui, ce système continue d'intriguer les scientifiques tant le nombre d'étoiles qu'il contient est inhabituel. Les origines de sa formation sont encore débattues. Cependant, malgré leurs nombreuses observations, ces derniers n'ont pas pu mettre en évidence la présence d'une quelconque planète orbitant au sein de cet étrange système multiple. Découverte en 2016, Kelt-9b est tout simplement l'exoplanète la plus chaude jamais enregistrée. Cette planète se situe vers le centre de la constellation de la Croix du Sud. Son étoile, de référence, Kelt-9, est située à la distance incommensurable de 620 années-lumière de la Terre. Cette jeune étoile est actuellement deux fois plus lumineuse et deux fois plus chaude que le Soleil. Alors même que la température de cette étoile est de 9800 degrés Celsius, celle de Kelt-9b est de 4300 degrés Celsius. C'est plus que la plupart des étoiles connues dans notre univers. Sur cette planète, les lois de la physique que nous connaissons sont repoussées à l'extrême. Son analyse spectrale a révélé la présence de fer et de titane au sein de son atmosphère. En effet, la température sur Kelt-9b est si élevée que même le métal s'évapore et se condense en nuages au niveau de sa face cachée. Cela signifie qu'il peut littéralement pleuvoir du métal. Devant le bombardement de radiation que reçoit Kelt-9b, les scientifiques s'attendraient à retrouver une planète plus petite que la Terre, progressivement limée par la puissance des déflagrations. Or, leur découverte fut tout autre puisque Kelt-9b est en fait presque deux fois plus grosse et trois fois plus lourde que Jupiter. Sous l'effet des radiations reçues par son étoile, l'atmosphère de la planète s'est dilatée pour gonfler comme un ballon de baudruche. Il est également possible que le bombardement de rayons ultraviolets que subit Kelt-9b cause une perte de matière importante. À l'instar des comètes, elle laisserait alors derrière elle une traînée de gaz incandescent. Un autre fait remarquable propre à Kelt-9b est qu'elle possède une orbite polaire et non équatoriale, comme la plupart des exoplanètes que nous connaissons. Quant à l'étoile, sa vitesse de rotation sur elle-même est telle qu'elle en vient à se déformer pour prendre la forme d'un ballon de rugby. Ce phénomène est connu sous le nom d'assombrissement par gravité. De ce fait, la température au niveau de la région équatoriale de l'étoile est moins élevée qu'à celle des pôles. On parle d'une différence de 800 degrés Celsius. Sachant que Kelt-9b orbite en seulement 36 heures, c'est presque comme si cette planète changeait de saison toutes les 9 heures. À l'heure actuelle, personne n'est en mesure d'expliquer pourquoi cette exoplanète possède une orbite si particulière. Alors que des planètes comme la nôtre sont constamment baignées dans la lumière de leurs étoiles, d'autres comme 13-2b sont plongées dans une nuit éternelle. Située à la distance astronomique de 750 années-lumière de la Terre, cette géante est 1,5 fois plus lourde que Jupiter. Elle a intrigué les scientifiques lors de sa découverte, car après avoir été détectée par la méthode du transit, elle a soudainement disparu des radars une fois passée devant son étoile. En réalité, la planète n'avait pas disparu, ni même été occultée par quelque chose d'autre. Ce n'était pas non plus le matériel de détection utilisé qui faisait défaut. En réalité, 13-2b est l'une des planètes les plus sombres jamais découvertes. Elle ne reflète que 1% de la lumière de son étoile. À titre de comparaison, même le plus noir des charbons que vous puissiez trouver reflète environ 3% de la lumière qu'il atteint. Comme si cette effrayante obscurité ne suffisait pas, les recherches estiment la température à sa surface est de 1600 degrés Celsius. Dans l'espace, cette planète est comme une vision apocalyptique de ce qui aurait pu arriver à Jupiter, la géante gazeuse si lumineuse de notre système solaire. Pour le moment,
aucune affirmation ne peut être avancée avec certitude pour expliquer la nature de ce corps. Si 13B est si sombre, c'est peut-être parce que son atmosphère est riche en éléments fortement absorbants comme le gaz de sodium, le potassium ou d'oxyde de titane. Si vous pensiez que Pluton, qui se trouve à une distance de 6 milliards de kilomètres du Soleil, est très éloigné, c'est que vous ne connaissez pas la planète HD 106906b. Son étoile, bien qu'un petit peu plus chaude, est en tout point similaire avec notre Soleil. On pourrait donc penser que si des planètes devaient orbiter autour, les plus éloignées auraient la place de Neptune. Les corps célestes plus lointains ne bénéficieraient pas d'une attraction gravitationnelle suffisante pour former des planètes à accrétion ou en condensation de gaz. C'est d'ailleurs pour cela que notre système solaire est délimité par un anneau d'astéroïdes appelé ceinture de Kuiper. Neptune se trouve à une distance de 30 unités astronomiques du Soleil. Pour HD 106906b, cette distance est de 600 unités astronomiques. Cela représente 90 milliards de kilomètres. Ces échelles sont si immenses qu'il est impossible pour l'esprit humain de les concevoir. Les scientifiques, consternés par cette découverte, ne peuvent expliquer avec certitude comment une planète si éloignée a pu se former. Cependant, plusieurs hypothèses sont avancées. Lorsqu'une étoile se forme, elle naît rarement seule. Il est assez commun que d'autres étoiles proches voient le jour. Ce fut d'ailleurs le cas pour notre Soleil. Une de ces étoiles, au cours de sa dérive, aurait pu emporter avec elle la malheureuse planète HD, l'éloignant ainsi définitivement de son étoile mère. Toutefois, les distances sont si grandes que cette hypothèse ne fait pas consensus. Une autre théorie veut qu'une planète se soit formée près de l'étoile et que celle-ci ait été propulsée en dehors de son système en emportant avec elle la planète désormais éloignée. Mais pour que cette théorie soit plausible, la planète éjectée doit avoir une masse substantiellement plus importante que celle de HD 106906b. Malheureusement, cet astre à la dérive n'a jamais été retrouvé. Bien qu'elle soit très éloignée de son étoile mère, la planète qualifiée de loup solitaire n'est pas sombre pour autant. Celle-ci est une géante environ 10 fois plus grosse que Jupiter. De ce fait, les gaz qui la composent sont si compressés qu'ils deviennent chauds et même brûlants, pour être exact. La température à sa surface est d'environ de 1500 degrés Celsius, si bien qu'elle a pu être détectée par des télescopes à vision infrarouge. En plus de son éloignement, les scientifiques ne sont pas en mesure d'expliquer l'étrange orbite de cette planète. À l'instar de Pluton qui n'orbite pas sur le plan de l'elliptique, l'orbite de HD est très allongée et surtout complètement inclinée. Peut-être qu'un jour, les recherches pourront expliquer ce qui a donné des caractéristiques si particulières à cette planète solitaire. Corotée est le nom d'un petit satellite lancé par une équipe française. À la mise en orbite de ce satellite, les scientifiques furent assez dubitatifs sur son utilité. En effet, l'objet fait la taille d'un drone et ne mesure pas plus de 30 cm de diamètre. Mais contre toute attente, le satellite détecta, en 2009, une exoplanète très semblable à la Terre et particulièrement proche de son étoile. Si proche qu'il ne faut que 20 heures à cette cousine éloignée pour en faire le tour complet. Au moment de sa découverte, il s'agissait de la plus petite exoplanète jamais détectée. C'est d'ailleurs cette proximité qui a fait qu'elle a pu être découverte par la méthode du transit. Rendez-vous compte, cette planète est 23 fois plus proche de son étoile que Mercure du Soleil. Sa distance par rapport à Corotée 7 n'est que de 2,5 millions de kilomètres, soit un peu plus de 6 fois la distance Terre-Lune. Bien que Corotée 7b soit proche de son étoile mère, elle est bien loin de la Terre, à 520 années-lumière plus précisément.
cette planète entre dans la catégorie des super-terres. Sa masse est 8 fois supérieure à celle de la nôtre. Quant à sa température en surface, elle atteint des sommets. Elle est estimée à 2500 degrés Celsius. S'il était possible de vivre à la surface de cette planète, le Soleil nous apparaîtrait 360 fois plus gros que nous ne le voyons actuellement. Sachant que Corotée 7b expose toujours la même face à son étoile, il n'y aurait pas non plus de lever ni de coucher de soleil. Le jour serait permanent et nous serions éclairés d'une lumière absolument aveuglante. Corotée 7b est une planète tellurique, ce qui signifie qu'il n'y a pas de conduction de chaleur grâce aux gaz présents dans l'atmosphère. Sur cette planète rocheuse, les températures extrêmes se côtoient. Du côté de la face éclairée, le sol est une fournaise parcourue par des coulées de lave en fusion. De l'autre côté, la partie sombre ne reçoit aucune lumière. La température y est si froide qu'elle approche le zéro absolu du vide sidéral. En analysant la densité de cette planète, les chercheurs en ont conclu qu'elle était essentiellement composée de roches et de fer. Rappelez-vous, sur Kelt 9b, la température était si élevée que le métal pouvait s'évaporer et retomber sous forme de précipitation. Eh bien, sur Corotée 7b, il pleut des roches. Le fer constituant la planète est essentiellement en profondeur, recouvert par un manteau rocheux. Sous l'effet de la température extrêmement élevée, les roches de ce manteau peuvent s'évaporer et retomber sous forme de gravats solides au niveau des parties plus froides de la planète. Pour l'épanouissement d'une vie comme celle que nous connaissons sur Terre, Corotée 7b est un véritable enfer. Notre voyage nous a fait partir à la rencontre de certaines des exoplanètes les plus remarquables du cosmos. Fascinantes par leurs conditions extrêmes ou véritables casse-têtes pour les astronomes, elles nous prouvent que l'espace regorge de mystères qui mettent au défi les plus imaginatifs d'entre nous. En parlant de mystères, il y a sur les quelques 4700 exoplanètes connues, certaines qui repoussent encore plus loin les limites de l'étrange. C'est notamment le cas de WASP 12b, surnommée la planète œuf. Cette dernière fait partie de la catégorie des Jupiters chauds. Elle se trouve si proche de son étoile que cette géante gazeuse est en train de se faire dévorer petit à petit. Du fait des forces gravitationnelles colossales qui sont mises en jeu, WASP 12b se fait progressivement aspirer une partie de sa matière par l'étoile, ce qui a pour effet de la déformer, lui donnant alors l'allure bien particulière d'un œuf. Dans quelques milliers d'années, la planète aura été totalement digérée par son étoile. Si WASP 12b ne résistera pas à l'érosion du temps, 55 Cancri E, elle semble indestructible. À première vue, cette planète tellurique ressemble à la nôtre. Mais en analysant sa composition chimique avec plus de précision, les chercheurs ont fait une découverte surprenante. 55 Cancri E est recouverte de carbone. Celui-ci se trouve à l'état de graphite, mais aussi et surtout à l'état de diamant. Cette précieuse composition s'explique par celle de l'étoile mère qui contient plus de carbone que d'oxygène, contrairement à notre Soleil. Si nous vivions sur 55 Cancri E, un diamant n'aurait pas plus de valeur qu'un vulgaire silex. On pourrait également imaginer visiter d'autres planètes comme HD 2094-58b. Sur celle-ci, l'éolien serait le moyen privilégié pour produire de l'énergie tant les vents sont puissants. Sur Terre, les vents les plus violents dépassent à peine les 400 km/h. Sur Jupiter, ces vents peuvent atteindre 1000 km/h de plus. Et sur HD 2094-58b, la vitesse des rafales est comprise entre 5000 et 10 000 km/h. Comme si cela ne suffisait pas, sa température en surface approche les 1000 degrés Celsius.
Heureusement, le cosmos compte d'autres astres qui nous font davantage rêver que cauchemarder. C'est le cas de J147b, une exoplanète située à 434 années-lumière de notre Terre. Si celle-ci est surnommée Super Saturne, c'est tout bonnement parce que son système d'anneaux est 200 fois plus imposant. Autre fait exceptionnel, les anneaux de cette dernière ont un sens de rotation opposé à celui de la planète. Pour les scientifiques, cela ne peut être que le fruit d'une catastrophe naturelle dont l'origine restera sûrement inconnue. Oui, l'univers est rempli de paradoxes. Des événements qui, à notre échelle, bouleversent les lois de la physique. Sur Gliese 436b, surnommée Behemoth, la neige prend tout simplement feu. Du fait de cette combustion, la planète libère une immense quantité de gaz dans le cosmos. Cette évaporation progressive laisse derrière elle une magnifique queue cométaire de 15 millions de kilomètres. Notre formidable voyage sidéral nous aura amenés à la découverte de mondes plus surprenants les uns que les autres. Depuis la découverte de la première exoplanète, il y a un peu plus de deux décennies, des milliers de planètes ont été découvertes en orbite autour d'étoiles au-delà de notre système solaire. Beaucoup de ces nouvelles planètes sont très différentes de celles qui orbitent autour de notre Soleil, et même l'architecture des systèmes exoplanétaires ressemble peu à la nôtre. Au fil du temps, une quantité surprenante de détails a été déterminée pour certains de ces mondes lointains. Ce qui est encore plus remarquable, c'est la rapidité avec laquelle le domaine de la recherche exoplanétaire s'est développé en une période de temps relativement courte. Une grande partie de ce que nous savons sur les exoplanètes, y compris des exemples extrêmes tels que les planètes diamantées et les mondes de lave, ne sont encore que des indices alléchants qui nécessitent des mesures plus détaillées et précises avant que quoi que ce soit ne puisse être confirmé. Les nouveaux télescopes spatiaux ont révolutionné le domaine des exoplanètes et nous pouvons nous attendre à une période passionnante avec les prochaines missions spatiales. S'appuyant sur ce qui a été appris jusqu'à présent, les nouvelles missions sont conçues pour détecter de petites planètes autour d'étoiles brillantes. Parce que les étoiles hautes sont brillantes, les masses des planètes détectées peuvent être déterminées à partir des observations de vitesse radiale dans les observations au sol. La masse et la taille sont essentielles pour caractériser les nouvelles découvertes. L'existence d'exoplanètes est maintenant établie sans aucun doute, et les différentes techniques de détection sont de l'espace avec la recherche de nouvelles gammes de planètes. Cependant, chaque méthode ne fournit qu'une partie de l'image globale et des observations de suivi sont presque toujours nécessaires pour confirmer la nature de la planète. Avec l'augmentation constante du nombre et du type d'exoplanètes, il y a sans aucun doute beaucoup à apprendre, et alors que nous passons d'une ère de détection et d'exoplanètes à une ère de caractérisation, de nouveaux domaines de recherche peuvent encore se développer. Par exemple, par analogie avec notre système solaire, les lunes devraient exister autour des exoplanètes, et celles-ci pourraient fournir des habitats potentiels pour la vie. La recherche d'exolunes est en cours, mais aucune n'a été détectée jusqu'à présent. Entre les super-terres, les planètes potentiellement habitables, les mondes inhospitaliers et des plus étranges. Certaines sont même vagabondes, sans soleil, errant au fond de la galaxie dans une obscurité permanente. Le cosmos nous a, une fois de plus, fait rêver grâce à son incroyable diversité. Plus que pour la recherche de mondes habitables, l'étude des exoplanètes est un enjeu de taille afin de mieux comprendre notre cosmos. La formation des planètes, y compris celle de notre propre Terre. Cette exploration sans fin pourrait bien nous en apprendre plus sur l'apparition de la vie,
et même nous amener à découvrir de nouvelles formes de vie qui, comme nous, n'attendent que le premier contact avec des êtres extérieurs. Aujourd'hui, les missions se poursuivent et d'autres sont à venir. La NASA a récemment lancé son nouveau télescope James Webb et le lancement de l'observatoire Plateau par l'Agence spatiale européenne est prévu pour l'année 2024. Chaque jour, de nouvelles planètes sont découvertes et chaque observation repousse un peu plus les limites de la compréhension de notre univers. Ce n'est peut-être qu'une question de temps avant que l'homme ne perce les secrets de l'espace. Une chose est sûre, ces découvertes, aussi étranges, effrayantes ou révolutionnaires soient-elles, continueront d'attiser l'imagination et l'espoir des amoureux du cosmos.